Breakover. Les 73-51 à tous, le Québec-Canada, la frontière franco-belge, 14 km 33-01 Rémi, Dundee 33 sur le Castillonnet à côté de Saint-Émilion. Eh ben, ça a été laborieux hein, pour pouvoir arriver sur les ondes. Hein. Là, ça a été une semaine assez chargée, on va dire. Mais bon, il n'y a qu'aujourd'hui que je vais pouvoir moduler. Demain j'ai un rendez-vous, je rattaque après le pro en suivant, et ça va redevenir un petit peu, et quoi que je vais sur Bordeaux. Ben, on verra bien. Enfin bon, là, en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir reprendre le micro. Merci pour le retour de micro. Ah mais c'est vrai que côté emploi du temps, c'est vraiment pas évident. Hein. C'est au secours, au secours, au secours. Et puis là, je bosse en même temps au QRA sur un autre projet. Je te l'ai dit en message perso. T'as tout ça en message perso. C'est demain, normalement, je devrais recevoir un truc. Donc en même temps, il va falloir que je bosse dessus et ceci et cela. Bon, bref. Comme si j'en faisais pas encore assez, il faut que je m'en rajoute encore un peu plus. Hachi, retour du côté de la frontière franco-belge. CQRP, CQRP. Ça passe, mais CQRP. Merci pour le retour de micro. Eh bien, heureusement que j'ai pas spécialement de QRM, puisque ça a été un petit peu compliqué pour sortir. C'est vraiment QRP. Hein. Bon, je t'ai entendu aussi bien sur le au QRA qu'au WebSDR d'Ottawa, mais dans les deux cas, c'est du QRP. Et je vois le retour que j'ai là aussi là-dessus montre que la propague est pas très forte hein, quand même. Hein. C'est alors que tout à l'heure j'avais le Brésil qui passait à fond. En plus là ils sont les voleurs de fréquence sont en plein contest. D'après ce que j'ai compris, contest carnaval, je crois, un truc comme ça. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est pas le contest carnaval, c'est le contest cannibale. Ah, chie trois coups. Le contest cannibale. Retour sur Gilles. Oh la vache, oui. Oh la vache, Santiago 2 ici, hein. C'est vraiment du QRP. Hein.
C'est waouh, c'est vraiment tout petit là. Et oui, non mais j'étais à l'écoute tout à l'heure là quand c'était le bordel et tout là. Avec, je t'ai même fait écouter un petit peu là sur Messenger. C'était le bordel. Et puis bon, je t'ai entendu faire QSY en Lima Sierra Bravo. Je me suis dit ok, je suis derrière. J'ai fini une bricole vite fait de mon côté et puis me voilà. Ouais, non mais ah, tu parles de la fréquence Facebook. Bon, sur la fréquence Facebook, on va dire que c'est normal. Hachi. Ah la vache, il y a une balise qui est passée à la fin, j'ai entendu 505, je sais pas quoi, espagnol, et puis paf, là, il y a une balise qui est passée par là, quoi. C'est vrai que là, la vache, et pourtant, dans ce matin, ce midi, j'ai fait un direct, là, sur YouTube, là, depuis le SDR que j'ai sur l'ordinateur. Et c'est vrai que j'ai un peu écouté comme ça, tac, c'est resté moyen, quoi. Ou alors quand j'arrive en haut de la côte, là à côté de chez moi, bon là je passe de 50 mètres d'altitude à 90 mètres d'altitude, ouais 90 je crois. Bon, rendu en haut de la côte, là c'est sûr que là ça arrose, ça j'attrape partout. Mais bon, c'est vrai que c'est moyen. Ce matin, j'ai surtout entendu les pays de l'Est de ce côté-là, et ils arrosaient partout en FM, et autrement en BLU, ouais, ben, l'Espagne, pas trop l'Italie, non, les Caraïbes, oui, c'est ça, je crois, c'est le Pacifique aussi que j'ai entendu, zéro contact de mon côté, parce que bon, ben, là, je bossais sur autre chose. Donc voilà. Et j'attendais en plus là le moment où j'allais entendre les doubles bips en fréquence. Mais bon, avec le bordel qu'il y avait tout à l'heure sur le 625 en uniforme Sierra Bravo, les doubles bips, eh ben je sais pas du tout entendu, quoi. C'est quand ça s'est calmé là après une porteuse que j'ai pu sauter sur l'occasion et arriver. Alors, Gilles, est-ce que tu peux faire le QSP ou toi aussi ça t'arrive trop petit? Parce que moi j'ai rien compris. Ok, je t'ai entendu sur le WebSDR d'Ottawa, pas de problème. Tu vas t'absenter une dizaine de minutes. Et j'ai entendu Gilles, il est tombé de sa chaise. J'ai même pas eu le temps de voir le signal monter. J'ai entendu un double bip dans le lointain. Hachi. Gilles, tu veux rester en Lima Sierra Bravo ou tu veux repasser en uniforme Sierra Bravo? C'est comme tu veux, moi ça m'est égal. Hein. Mais là, pour discuter, ça va être compliqué là pour le moment. Hein. C'est vrai que là, faut attendre que la propague remonte là. Aïe aïe. Bon, ben, je sais pas si t'es derrière, en tout cas, bon, ben, je vais passer en QRX, hein, dans ces cas-là.
Et je reprendrai quand ça se signalera. Ah oui, d'accord. Bon, on verra bien. On improvisera. Hachi, à tout à l'heure. Ah, hey, mais t'es encore là? Je te croyais parti. Et puis là, je t'entends plus fort. Ah bah non, je reste. Donc, je te demandais, tu veux rester en Lima Sierra Bravo ou repasser en uniforme Sierra Bravo? Moi, ça m'est égal. D'un côté ou de l'autre, pour moi, ça ne change rien. Ouais, je vois que t'as du mal à m'entendre. Tu veux qu'on reste aujourd'hui en Lima Sierra Bravo ou tu comptes retourner en uniforme Sierra Bravo? Lima Sierra Bravo ou uniforme Sierra Bravo? Ok, on reste là. Putain, mais c'est compliqué, hein. Bon, ok, on va faire une petite pause. Et quand tu te resignaleras tout à l'heure, eh bien, ok, je reprendrai le micro. Là, t'es en train de prendre ton petit déjeuner, là, j'imagine. Ou le deuxième, ou peut-être le troisième. Oh oui, monsieur. Bon, ok. Alors, je vais faire en sorte que t'avales pas de travers. Je vais te laisser finir ton petit déjeuner et puis on verra ça tout à l'heure. À de suite quand t'auras fini ton petit déjeuner. Yep. mais j'étais en train d'écouter ton message justement là quand je t'ai entendu te signaler, je me suis dit ok. C'est bon. Bon ben évidemment apparemment ils se sont calmés. Sinon, non mais autrement je suis d'accord avec toi pour ce que tu as dit, hein. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. Waouh, la propague, la propague a foutu le camp. J'aurais dit plus simplement, c'est comme la merde sous une chaussure. Après, t'as du mal à t'en débarrasser, quoi. Il y a de la moustache, il y a de la moustache dans l'air. Il y en a qui doivent camper pas loin sur les fréquences. Je vais pas pouvoir faire des miracles au niveau de bande son. Ouais. Ça va être compliqué là l'affaire. J'ai bien la double écoute, mais bon. Je suppose que tu m'as retourné le micro. T'as si dit Santiago 1, Santiago 2 de mon côté, et la radio, elle est pas mieux. 1, 2, pareil aussi. Alors, je t'ai entendu parler avec quelqu'un. Les 73-51 à la station, 14 km, 33-01 à Rémy, Dundee 33 sur le département de la Gironde.
Merci, tout ça retourné. Ouais, c'est. Mais aujourd'hui, c'est. Voilà. On se demande si la propague n'est pas en train de nous échapper, là. Eh, c'est trop tôt, là. On est qu'au mois de janvier, hein. Oui, fin janvier, puisqu'on est le 29. Mais bon, on est qu'au mois de janvier, hein. Alors, si je me souviens bien, l'année dernière, la propague avait dû foutre le camp vers mars, par là. Ouais, mars ou avril. Ouais, plutôt mars, il me semble. Ouais, faudrait que je regarde, que je fouille un petit peu sur Internet, là, dans les vidéos de Gilles, par exemple. Mais il me semble que ça doit être ça pour l'année dernière, autour du mois de mars. Je sais plus trop. J'entends plus. Ah, mars, avril. Ouais, jusqu'au mois d'avril. Voilà. L'année dernière, la propague avait tenu jusqu'au mois d'avril. Puisque là, j'ai devant les yeux, justement, là, des vidéos de. Alors, janvier, février, mars. Oui, c'est ça, de avril. Début, ouais, quand même, jusqu'à moitié avril, jusqu'au 17 avril apparemment, ça avait tenu la propague. Puis après, ouais, voilà quoi. C'était un peu parti en cacahuète. Et où? Il est tombé de sa chaise. On était plus habitué à ça. Oh, ça fait bizarre. Un jour sans. Bon, pas la peine que je fasse durer la vidéo plus longtemps, on verra ça tout à l'heure. Bon, ben il n'aura pas fallu attendre longtemps. En plus, je m'étais pas rendu compte, mais du côté WebSDR, j'étais resté en Lima Sierra Bravo. Bon, ben là, ok, c'est bon. Mais il a sauté sur le micro, oui. C'est là qu'il faut avoir les oreilles bien affûtées. Hein. Ouais. Oh, ça remonte un petit peu, mais c'est moyen. Ouais, ça fait le yo-yo, ça fait le yo-yo. Ouais, je me suis entendu là.
Je crois qu'il y a les USA qui passent, ou je sais pas, j'ai pas tout compris. Hein. Qu'est-ce que c'est compliqué là? Désolé les stations, je peux pas faire plus. Hein. Voilà, il faut que je déménage la maison. En train de parler entre eux. Ils ont de la chance de pouvoir s'entendre correctement. À propos de ça, je vais couper le DSP là pour voir. Et 73-51 Christophe, 14 km, 33-01 sur le sud-ouest de France. Aïe, c'est pas passé. Voilà, ça remonte. C'est compliqué, il est compliqué à entendre. Oui, c'est ça. Hein. À 8, c'est monté. 7. Santiago 8, Gilles. Pour le coup, faut que je baisse le volume et ma gueule avec. Christian ou Christophe?
Christophe. Les 73-51, Christophe, bon DX à toi de ton côté. Je suis pas si m'entends, c'est pas sûr. Ok, merci pour le tour du micro. Ben, c'est un peu compliqué, ça fait le yo-yo. Tu m'es monté à Santiago vite pour redescendre après. Les Re 73-51 Christophe, 14 km 33-01 Rémi, sur le département de la Gironde. Faut décortiquer là, la vache. Pas évident. Ouais, là c'est du décortiquage que j'ai réussi à faire. J'ai pas tout compris, c'est pas évident. C'est waouh waouh waouh. La propague là, elle est en train de jouer avec nous, la propague. Elle est en train de nous faire une blague aujourd'hui. Je vous en donne un petit peu, mais démerdez, débrouillez-vous. En gros, c'est ça qu'elle nous fait, la propague. Autrement, Gilles, c'est une journée à utiliser les watts. C'est là, oui, il n'y a pas le choix. Ouais, et tiens, j'ai du grand soleil là de mon côté et 16 degrés, hein. C'est le printemps ici, hein, le printemps en plein hiver. Ah ouais, pareil, t'as la vache. Et parce que là, vu comment c'est parti, il va falloir que j'attrape la tondeuse à gazon, la débroussailleuse et tout, et tout, et tout. Parce que là, ça repart. Alors, je l'entends parler, ça c'est clair, je l'entends parler, mais de là à comprendre tout, il va falloir que je passe le film au ralenti, parce que je dois avoir les oreilles bouchées sans déconner, mais c'est pas possible. Pourtant, je l'entends parler, hein. Mais j'ai un petit QRM permanent de mon côté, et aussi petit qu'il soit, il est suffisant pour venir noyer un peu la discussion, quoi. Et ça, là, c'est vraiment pas évident. Et là, je fais une vidéo en ce moment. Bon, évidemment, elle sera jumelée avec le WebSDR d'Ottawa pour que ça ressorte mieux. Mais c'est vrai que là, moi, là, derrière devant le poste, j'ai vraiment du mal, hein. Hop, elle est tombée de la chaise, la propague. Ah non, ben non, ça passe du côté Ottawa. Bon, ben, je vais faire un retour sur Gilles, alors. Ben. Elle est où? Ah, quand même. Non, mais toi, là, ben, comme disait Gilles tout à l'heure, la propague nous joue des tours. Hein. Quand on croit que c'est retombé, mais en fin de compte, non, si, c'est toujours là. C'est bizarre. C'est bizarre.
Là, on va à la pêche, hein, là pour le coup. On va vraiment, vraiment à la pêche pour essayer de sortir quelque chose là au milieu de tout ça, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est au secours. Bon allez, je vois l'heure, il est 16h. Je dis que si Raquel qui va bientôt arriver, ça va être une tournée de cappuccino au QRA. Donc je vais pas me faire plus long. Les 73-51 à tous. Et bon, j'aurai une vidéo à travailler moi de mon côté. J'imagine que Gilles aussi. Donc je vais me mettre au travail sur tout ça. Les 73-51, bon QSO à tous. Et demain je pourrai pas être là. J'ai beau tourner ça dans tous les sens, mais demain je pourrai pas être là. Alors à plus. Comment avoir l'impression d'avoir parlé tout seul, quoi. Bon, ben d'accord. Ok, ouais Gilles, je disais que vu l'heure, je passais en QRT, les 73-51, putain, mais là ça passe, ben, ça remonte, là je m'entends plein pot dans le web SDR. Bon, peu importe, bon vu l'heure, de toute façon, là je vais passer en QRT pour le cappuccino avec madame, qui va bientôt arriver. Allez, elle doit pas être très loin là. Et puis bon, je vais commencer à travailler ma vidéo avant de recevoir les tiennes, frangin. Hachi, les 73-51, bon QSO de ton côté, local ou DX. Et à plus tard. Merci, bye à tous, merci. Ah ben ça repasse aussi. Merci, tout ça retourné également de ton côté. À plus tard. Ah. C'est le printemps chez eux aussi, quoi. Alors, eux de leur côté ça passe. Hein. Le signal est touché, c'est à la durée de 5.
ok. Alors, eux, ça passe très bien. Hop. Ah, zut. Canal Bing Ball. Oui. Là, on a juste une petite moustache. Et là. Bon, d'accord, c'est le bordel partout. Ce micro qu'il doit avoir. J'aime bien ce genre de modulation. Ouais. Ça fait, radiophonique. Puis ça compresse derrière. Ah, c'est reparti là. Et puis là, c'est hallucinant. Ah, il y a des portions de fréquence. Non, pas possible. Non, ça, la propague est plus forte sur certains QTH que d'autres. J'allais dire, il y a des portions de fréquence sur le 27 mégas où ça passe plus fort que d'autres. Pas en pleine bande comme ça. Quoi. Que vers le bas de la bande, ça passe mieux que vers le haut. Bon, ben, ça, c'est logique. Hein. Donc, c'est bien,
je rappelle que c'est le prochain là, ici là, de mon côté. Ok, Thierry, oui, ça va bien. Je suis un petit peu surchargé là, ce matin, puis je suis comme un peu de difficulté là, à gérer. Il y a des journées même où c'est un peu plus difficile là, puis j'ai un peu de difficulté là, ce matin là, à gérer. Il y a la propagation qui avait de la difficulté un peu. Il y a beaucoup de stations qui m'appellent en même temps, et puis il y a un petit peu là, un certain manque de respect là, sur la QRG là, qui rend un peu là, des fois les QSO difficiles. C'est pour ça que j'ai pas breaké. Hein. J'ai bien senti que c'était un peu la bousculade. Alors avec moi en plus, ça arrangera rien. Personne d'autre qui passe, à part le QRM. J'ai davantage de QRM quand je monte comme ça en haute bande. Ah, là, il y a le DSP qui est en train de faire son travail. Bon. Pour l'XYL, visiblement, elle a du monde sur la route. Oh, les îles. Je reconnais la modulation. Je crois que c'est la Guyane, si je me souviens bien. Bon, elle vient d'arriver.
Cappuccino, cappuccino. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.